Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on est à Gérardmer, donc comme vous pouvez le constater, il y a le lac juste derrière. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous donner simplement mes deux meilleurs livres pour débuter dans l'entrepreneuriat. Donc vous allez voir que le premier livre va être Père riche, père pauvre, je vais vous le résumer juste après, et on aura ensuite un autre livre. Alors Père riche, père pauvre, en fait, ça va être un livre qui va être l'histoire d'un enfant qui avait en fait deux pères. Donc il avait son vrai père qui était plutôt dans une mentalité de salarié et de pauvre, et un autre père qui n'était pas vraiment son père mais qui était le père d'un de ses amis avec qui il passait beaucoup de temps, qui lui était entrepreneur et qui gagnait beaucoup d'argent et qui avait une totale autre mentalité, qui n'avait pas du tout la mentalité d'avoir un CDI mais plutôt de créer son entreprise. Et du coup vous allez voir que l'enfant va choisir plutôt la mentalité du père riche et il va essayer de devenir riche et il va réussir à devenir riche. Et c'est pas forcément une histoire, mais dans le livre il va vous expliquer tout ce qu'il faut faire pour gérer votre argent. Donc j'ai noté juste ici quelques petits résumés. Donc le livre va vous permettre de gérer votre argent, donc de réussir à ne pas faire comme tout le monde et perdre tout l'argent que vous avez, avoir toujours de l'argent sur son compte, bien investir. Avoir la bonne mentalité de quelqu'un qui gagne de l'argent et de quelqu'un qui va devenir riche. Avoir la mentalité de base qu'il faut dans le business et qu'il faut si vous voulez gagner plus d'argent. Donc si vous n'avez pas encore la mentalité et que vous voulez l'apprendre, ce livre-là c'est vraiment celui qui va vous permettre d'avoir les bases. Dans ce livre également, vous allez apprendre à ne pas faire n'importe quoi et ne pas rester pauvre et du coup réussir à bien investir votre argent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop comment investir leur argent, ils achètent un peu des conneries et ils veulent tout de suite au lieu d'investir plus tard et d'être tout simplement libre, quitter leur job, etc. Donc ça va vous aider à ça. Et également, ce livre il s'adresse vraiment à tout le monde et surtout aux débutants. Donc il s'adresse aux salariés, il s'adresse aux entrepreneurs, il s'adresse aux personnes qui n'ont pas de connaissances, aux personnes qui ont des connaissances et qui veulent revoir les bases. Il s'adresse vraiment à tout le monde et c'est vraiment le livre que je conseille aux personnes qui veulent gagner de l'argent et qui veulent apprendre les bases et qui veulent débuter. Donc je vais vous le mettre dans la description juste en dessous, Père riche, père pauvre, et je vais vous mettre une image juste à côté pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Le deuxième livre maintenant que je vous recommande si vous voulez devenir entrepreneur, ça va être L'autoroute du millionnaire. Donc c'est ici un livre qui va vous permettre de devenir millionnaire en créant une entreprise. Donc devenir millionnaire très rapidement. Le but du livre c'est de devenir millionnaire avant ses 30 ans ou de devenir millionnaire en quelques années. Le but de ce livre c'est pas d'investir et de devenir riche en 50 ans, c'est vraiment devenir riche très rapidement et donc d'être sur l'autoroute de quelqu'un qui va partir de zéro et devenir millionnaire. Alors honnêtement, ce livre-là, c'est le meilleur livre business que j'ai lu de tous les livres business que j'ai lu. J'ai dû en lire une dizaine et c'était le meilleur de loin. C'est un livre en fait qui s'adresse pas forcément aux débutants, mais qui peut également s'adresser aux débutants. Je vous conseille tout de même de quand même lire Père riche, père pauvre avant. Mais voilà, il s'adresse aux débutants, il s'adresse aux personnes expérimentées, aux personnes pas trop expérimentées. Il s'adresse un peu à tout le monde et il donne vraiment de très bons conseils dans tous ces domaines-là. Donc je vous le recommande, L'autoroute du millionnaire. Alors petit résumé du livre, qu'est-ce que l'autoroute du millionnaire ? Donc l'autoroute du millionnaire en fait c'est quelqu'un qui vous explique comment faire pour aller sur l'autoroute et pour directement devenir riche très rapidement et pas comme tout le monde être sur le trottoir. Dans le livre il parle des gens qui ne sont jamais riches ou qui dépensent leur temps et leur argent dans des trucs pour simplement subvenir à leurs besoins. Dans le livre il appelle ces gens là les gens qui sont sur le trottoir et les autres qui sont sur l'autoroute. Et il va vous expliquer comment faire du coup pour emprunter cette autoroute. Dans ce livre, en gros, vous allez voir comment faire pour créer une entreprise rentable, quels sont les chemins à prendre pour gagner rapidement de l'argent, quels sont les meilleurs projets de business. Il va vous montrer, je crois, 10 idées de business qui peuvent être rentables. Donc, il y aura par exemple les business en ligne, les business de contenu, il y aura les plateformes de mise en relation. Donc, par exemple, les gens qui mettent en relation les acheteurs de Bitcoin avec le marché, ça, c'est des plateformes de mise en relation qui prennent simplement des charges, enfin des frais. Comment savoir si son projet est viable, tout ce qu'il y a pour créer une entreprise dans tous les domaines, comment réussir à créer une entreprise rentable. C'est vraiment tout ça et ce qui est bien, c'est que tout est tourné sous forme d'une histoire. Donc ça revient tout le temps avec son histoire à lui, il vous explique comment lui il a fait. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant et très cool dans ce livre, c'est que vous ne vous faites jamais chier à simplement lire des conseils, il y a vraiment une histoire chronologique et c'est plutôt intéressant. Du coup, il y a aussi quels sont les domaines qui permettent de devenir millionnaire très rapidement. Donc ça, c'est vraiment des gros résumés du livre, mais vous verrez que le livre explique quasiment tout. Et oui, le but de ce livre, c'est de devenir millionnaire très rapidement et pas seulement en 50 ans. Donc, en gros, si vous voulez devenir millionnaire rapidement, si vous voulez gagner de l'argent rapidement, si vous voulez créer une entreprise et rapidement gagner beaucoup d'argent avec, l'autoroute du millionnaire, c'est parfait et c'est le meilleur livre business que je peux vous recommander à l'heure actuelle. Je vous dirai si jamais j'en trouve un autre, mais pour l'instant, c'est le meilleur livre que je vous recommande dans tous les domaines que j'ai lu pour le moment. Voilà, donc c'était tout pour mes deux meilleurs livres pour débuter dans le business. Donc si vous aimez pas lire, je vous recommande quand même de lire simplement ces deux livres ou de les écouter sous format audio. Et si vous aimez lire, lisez ces livres en premier. Commencez par Père riche, père pauvre, puis ensuite L'autoroute du millionnaire. Moi, il faut savoir que quand mes amis veulent se lancer dans le business et qu'ils n'ont pas de connaissances, je leur recommande tout le temps de d'abord lire Père riche, père pauvre, puis L'autoroute du millionnaire et d'ensuite me poser des questions. Comme ça, ça leur permet déjà d'avoir la mentalité de base et au moins, ils ont toute la mentalité, ils ont toutes les connaissances nécessaires et après, ils pourront me poser des questions parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses, mais pas simplement me poser des questions pendant 50 heures sur des trucs qu'ils sont censés savoir et qu'ils sont censés apprendre par eux-mêmes s'ils veulent changer leur vie.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, je vous recommande d'acheter les deux livres si vous débutez. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Également, en dessous, vous avez une heure de formation offerte pour créer votre business en ligne rentable. Si vous n'aimez pas lire, bah, vous pouvez regarder mes vidéos et créer votre business rentable. Je vous explique comment j'ai fait dans une heure de formation. Vous cliquez en dessous, vous mettez votre email et on vous envoie tout ça. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre avis sur les livres. Dites-moi également quel est le meilleur livre business que vous avez lu selon vous. Est-ce que c'est l'autoroute du millionnaire ou est-ce que c'en est un autre? Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao.